Eh bien, on se retrouve pour une vidéo. En même temps, je n'ai pas fait parce que je suis en vacances. Donc, évidemment, voilà. Donc, on va tester trois petits jeux. Donc, encore, excusez-moi pour le bruit qui est derrière. Parce que vu que je suis en vacances et tout, pas aller en vacances tout seul. Donc, à ma famille et tout. Donc, voilà. Donc, je vous le dis quand même. Mais j'ai pris ce temps pour faire quand même une vidéo. Pour pas non plus. Donc, voilà. Donc, je suis un peu remis quand même. Donc, voilà. Donc j'ai testé trois petits jeux assez gratuits déjà. Pour ceux qui veulent télécharger, je dirai le nom du jeu. Vous cherchez, il est sur Android, je crois. Que sur Android, je crois qu'ils sont les jeux. Ouais, c'est ça, que sur Android. Donc, voilà. Donc j'ai testé déjà le jeu de skate, donc je vais vous montrer. Donc le jeu s'appelle Touch Grind Skate 2. Donc c'est Skate 2. Vous verrez un logo... On verra un skate rouge avec marqué skate 2 et derrière le thème il sera vert. Donc, voilà. Donc ce jeu, je vais pas vous mentir, c'est de la merde. Parce que là je l'ai eu, ça fait une heure que je joue, je crois bien. Non, ça fait, ouais, j'ai passé une heure dessus, mais genre sinon je joue par jour, je joue même pas, ça dépend, des fois je joue pas. Donc ce jeu vraiment c'est de la merde. C'est pas un jeu que si vous vous faites chier pour par exemple une semaine, vous savez pas quoi jouer, de prendre ça, non, parce qu'honnêtement vous allez vraiment vous faire chier, parce que c'est vraiment de la merde. Mais quand je dis de la merde, c'est vraiment de la merde. Tu peux pas contrôler ton skate. Regarde, là je voulais faire un truc, par exemple je peux pas. Regarde, là je vais essayer de faire un truc et non je peux pas, c'est bien dégueulasse. Il y en a, je vais monter, alors que normalement on peut monter, vous inquiétez pas. Je peux pas. Ou alors ça retombe. Oh, vous voyez un peu comment c'est bien nul. Donc voilà, donc ces développeurs du jeu, ils ont créé un autre jeu que je vais essayer après, un deuxième, qui est parti dans ma liste des trois jeux. Donc voilà, donc ça pour moi je ne vote pas, je dis que c'est de la merde. Pour moi ça c'est bien de la merde, je suis désolé de vous le dire, mais pour ceux qui aiment le skate, qui connaissent à peu près Skate 3, PS3, les trucs sur console, vous verrez bien que ce truc c'est vraiment de la chiasse. Plus le temps ça se finit, enfin voilà. Juste ce qui est bien sur le jeu, c'est qu'on peut personnaliser son skate. Donc, je vais vous montrer le mien comment il est. Mais je pense que vous avez déjà vu le mien, comment il est, rien. Voilà, donc comme ça. Vraiment il est basique, hein. Les roues, j'aime pas trop. La planche, enfin voilà quoi. Après, vous pouvez changer les stickers, donc mettre ça donc, sur sa tête. Fait terminer. Voilà, il est sur sa tête. Enfin voilà, c'est juste personnalisé, c'est bien. Tu dis, oh, le jeu il va être bien quand tu personnalises et tout. Mais quand tu joues, c'est vraiment de la merde. Donc on va passer au deuxième jeu. Donc moi déjà celui-là je le vote pas, je dirais qu'il est nul. Donc on se retrouve tout de suite pour le deuxième jeu. Et bien on se retrouve sur le deuxième jeu. Donc ce deuxième jeu c'est toujours Touch Grind. Sauf que là c'est Touch Grind BMX. Oui BMX c'est ça. Donc avec des vélos et tout, c'est des figures. Ça vraiment c'est un bon jeu. Donc je valide déjà parce que je le connais depuis longtemps. Celui-là j'y joue depuis 6, 7, 8 mois. Je kiffe ce jeu, mais je joue pas tout le temps, je joue le soir, comme ça, quand je suis au restaurant, quand je me fais chier. Donc vraiment, c'est un bon jeu. Donc voilà, donc je voulais vous dire aussi, parce que Skate 2, la couleur du thème et tout, en fait, c'est ce qu'on voit en haut à gauche, là, Try Unreal Games. C'est un accent de merde, voilà. C'est ce qu'il y a en haut à gauche. Donc quand vous voudrez télécharger Touch Grind Skate 2, ça sera ça comme truc. Et puis du coup, voilà. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc là on voit ma cousine qui crie, c'est bien parce qu'on... Bon, alors grosse partie, donc on va prendre le... Donc on peut le peindre, donc je vous montre, ouais, on peut changer la peinture, mais on peut, vous voyez, on peut moins le personnaliser que le skate. Hein. Donc t'as soit ça... Ça c'est dégueulasse quand même, j'aime pas. Donc là il y a soit ça, soit ça, soit ça. Soit ça, soit ça, soit ça. Non, non. Non, on part, on a pris un jeu de merde.
Donc je teste juste des petites figures, après je vais prendre un autre jeu. Donc l'autre jeu, je pense que tout le monde le connaît, mais je vais pas le dire maintenant. Donc ça, ce jeu quand même, je kiffe. C'est vraiment mieux que Skate 2. Vous pouvez mieux le gérer et tout, c'est... Bon là, je fais de la merde parce que je suis pas bien mis, mais allez. Je vais vous montrer un petit peu un front flip. Puis donc un front flip bien fait, ça donne ça. Non, parce que là, je me suis vautré. Mais vous voyez, en fait, un front flip, moi, c'est, je faisais toujours cette erreur. Pour moi, un front flip, c'était... Donc là, il est bien réussi. Et pour moi, un front flip, en fait, c'était juste ça, regardez. Non, là, pour moi, je crois que c'était ça, en fait. Mais en fait, faut que c'est votre écran qui tourne. Genre, faut que ça soit comme ça qui tourne, en fait. Et là, c'est un front flip. Et en fait, vous verrez, si jamais vous prenez le jeu, ils vont dire dans l'histoire, dans les compétitions et tout, faites cette. C'est marqué en anglais, mais moi j'ai Google Traduction et mon ami, donc du coup voilà. Donc. Bien. Donc, ils vous diront de faire cette front flip. Et puis moi, en fait, comme un con, je suis resté une heure à pas comprendre. Et je faisais tout le temps ça, sur tous les sauts. Voilà. Pour moi, je faisais. Ah bah j'ai réussi tout en fait, non, donc voilà, donc moi j'ai pas du tout fini le jeu pour celui-là, hein. Vous voyez qu'il me reste le dernier, l'avant-dernier, lui, et voilà. J'en ai fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai fait 7, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y en a 12, j'en ai fait 7. Bah, c'est plus de la moitié, mais c'est dégueulasse quand même, donc voilà. Donc je vais vous montrer un peu le menu quand même, donc vous voyez, on peut tourner. Donc là, c'est payant par contre, hein, évidemment, c'est 5 euros, je crois bien. Donc, en fait, c'est pour tourner parce que moi j'ai mis du temps avant de savoir tout. Je disais, putain, c'est dommage, on n'a pas d'autres parcours et tout. En fait, moi j'ai pas eu l'idée de faire tourner la planète en fait, et du coup, voilà. Puis là, je viens de trouver ça il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Donc, les tutoriels. Voilà, donc ça, je sais pas du tout c'est quoi, je les mettais. Il y a les replays, c'est pour quitter le jeu. Ah ouais, c'est Skate 2, donc c'est Touch Grind Skate 2, donc c'est bien ce que je disais, ouais. Après, ils ont créé aussi les mêmes Illusion Lab, ils ont créé, en fait, c'est ça le développeur, il s'appelle Illusion Lab, ils ont créé Labyrinthe 2 avec les boules, Labyrinthe 1, voilà, donc voilà. Donc voilà, donc après, vous pouvez faire, je vous montre vite fait, vous pouvez faire Challenge. Donc ça c'est oui, pour voir ce que vous avez déjà fait et tout. Vous faites select pour jouer, vous choisissez votre couleur en faisant paint. Voilà, donc pareil. Puis après vous faites go. Et puis vous avez un chargement. Je vous explique quelques figures pendant le chargement. Voilà. Faut qu'on est là-dedans, vous avez de votre BMX. BMX, excusez-moi. Et puis là vous pouvez faire ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc après moi je m'amuse à faire n'importe quoi, des fois ça fonctionne et tout, je me tape des barres et tout. Mais vraiment c'est un bon jeu, moi j'aime bien. Mais ce qui est chiant sur ce jeu, c'est qu'il se casse vraiment souvent la gueule quand même. Quand il retombe trop en avant ou trop en arrière, on peut voir que si je fais ça, il n'y a pas se casser la gueule. Il a failli là. Mais par exemple des fois... juste dans... Ah j'arrive pas à en trouver là, mais... Ouais, parce que là je suis concentré. Ouais, par exemple, vous voyez, là il tombe. Alors que. Enfin voilà, après c'est un peu con de tomber plus pour ça en fait. C'est... Voilà. Donc voilà, c'est ça un peu ce qui est chiant. Donc maintenant on va passer au troisième jeu. Donc j'ai reçu un message évidemment. Donc on passe au troisième jeu, c'est parti. A tout de suite. Et bien pour ce troisième jeu, je pense que vous avez bien tous deviné. Donc pour moi, ça reste l'un des meilleurs jeux évidemment. Qui arriveront rien, mais ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut se déplacer et tout. Mais donc, du coup, c'est un jeu où tu peux pas jouer quand il fait nuit. Un jeu où tu peux pas jouer quand. Quand t'es. Je sais pas comment dire. Donc là, j'ai coupé parce que le chargement était assez long. Donc. Voilà, donc c'est vraiment un jeu, je trouve que les pixels, il n'y en a aucun. Ce qui est bien, c'était au début, tu peux changer ton personnage. Donc moi, je l'ai mis comme ça. Voilà.
Donc je vous montre vite fait. Donc là je suis ici, voilà. Donc pour ceux qui habitent, ils vont savoir où je suis. Donc là c'est la. Comment dire? Ici c'est la mairie, là-bas où il y a le truc jaune là. On voit la reine là. On voit le truc bleu là, on voit le truc bleu, vous voyez qui par exemple. Le truc bleu il est là. Suivez le truc bleu. Et ceux qui habitent à côté de chez moi, donc il y en a plein, hein, mes amis. Ici c'est la mairie. Et la mairie, c'est la reine. Donc en fait, je vous explique pour ceux qui connaissent pas le jeu. Une arène, en fait, c'est tous les monuments, par exemple une église, un château, bah, c'est plein de trucs comme ça en fait. Et ça, c'est que sur les monuments, des trucs comme ça, des églises et tout. Et en fait, vous débloquez plein de trucs, plein de Pokémon. Donc voilà, c'est ça qui est bien. Donc moi, j'ai pas le niveau, faut être niveau 5 et moi, j'ai pas le niveau. Mais sinon, à l'église, il y a un Pokémon. Donc voilà, donc là, je peux pas non plus, vu que moi, j'ai un petit niveau, je suis niveau 1. Je viens de commencer le jeu. Mais pour moi, ce jeu, c'est le meilleur jeu. Pourquoi il marche tout seul? Mais ce qui est dommage, c'est que voilà, il faut se déplacer pour avoir des Pokémon. Donc c'est un jeu qu'il faut faire en famille et des amis, voilà, pour toute une après-midi. Car c'est un jeu qui est long. Voilà, en fait, c'est un jeu qui vous permet de bouger, en fait, et de pas rester chez vous. Bon, là, je vais pas sortir dehors, vu que chez moi, il fait nuit. Donc voilà. Donc, non. Pas quitter, non, c'est pas ça que je vais faire. Ce que je voulais montrer. C'est quoi ça? Proche. You, you, you. You, proche. Attendez, parce que attends, là, on peut attraper un Pokémon. On peut voir que il y a plein de trucs autour de nous. Là, je comprends pas pourquoi il marche tout seul. Là, je comprends pas trop. Et vas-y, moi, je. Il est où le Pokémon? Parce que moi je connais pas trop le jeu. On peut voir qu'il y a un gros truc là-bas. Ok, il marche tout seul, moi je sais pas où il va. Est-ce qu'on pourra attaquer un Pokémon ou on peut pas? Ça se passe comment? Donc voilà, donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai comme Pokémon. J'ai Salamèche. Donc on va aller voir Salamèche quand même. Donc Salamèche. Salut Salamèche. Donc voilà. Celui de base, c'est celui qu'on attrape dès le début, celui-là je crois bien. Donc on peut changer son nom, je crois. Ouais, c'est ça. Moi je vais garder Salamèche. Ça sert à rien de le changer. Donc là vous pouvez le transférer pour l'envoyer. Ou l'attrapeur, enfin lui du début, quand ils vous expliqueront, je sais pas comment le dire. Donc il est PC12, donc c'est assez dégueu, c'est bof quoi, ça va. Donc voilà, donc moi j'ai que ça comme, comme Pokémon, j'ai rien d'autre. Ensuite, comme objet, j'ai deux enceintes, excusez-moi, c'est pour en fait c'est pour rattraper les attraper en fait c'est pour que les Pokémon soient attirés, voilà, c'est mieux ça. Pokéball, c'est pour attraper les Pokémon, voilà. Ensuite boutique, ça non. Pokédex, voilà, donc toujours ça, la mèche. Donc ça, la mèche, en fait ce qui est bien, c'est qu'on peut les améliorer en fait. Donc voilà, donc c'est un très bon jeu, hein. Vous pouvez voir vraiment que d'ailleurs c'est HD, qu'on peut voir que c'est le jeu chinois quoi. On voit on peut voir qu'il y a, c'est bien fait quoi. C'est pas comme un jeu que tu joues qui est bien dégueulasse. Waouh, c'est vraiment bien là quoi. Pokémon Go, ça par contre. Ah oui, parce que moi je commence un jeu mais je dis pas le nom, donc c'est Pokémon Go. Donc Pokémon Go, le nouveau qui vient de sortir il y a peu de temps, vraiment en France. Donc on pouvait le craquer pour l'avoir avant, mais voilà quoi. Moi je dis, j'ai attendu. Hein. Voilà, parce que voilà, j'avais la flemme de craquer tout, c'est chiant quoi. J'ai la flemme tout simplement. Donc la couleur du logo, en fait, le logo plutôt, c'est une Pokéball avec derrière un fond bleu. Et voilà, c'est marqué Pokémon Go, donc.
C'est Nyon, je sais pas quoi, un truc comme ça qu'ils l'ont créé. Donc j'essaie de vous montrer vite fait. Je crois que je peux vous montrer. Attendez. Oui, c'est le truc là. Oui, la Pokémon. Et puis juste en haut, c'est marqué Pokémon Go. Et à gauche, c'est le logo. Ensuite, je vais vous montrer Touch Grind. Donc Touch Grind, c'est petit vélo. Touch Grind BMX, c'est petit vélo vert et. Non, petit vélo rouge, ils font vert. Là, pareil, Touch Grind Skate 2, c'est le vélo. Le skate vert. Et le fond bleu. Vert. Voilà. Donc voilà les trois jeux. Donc moi je vais vous dire la liste. Donc pour moi le meilleur ça sera Pokémon Go, le deuxième ça sera Touch Grind BMX et le dernier ça sera pourquoi il court tout seul? Ça sera Skate 2, enfin Touch Grind parce que Touch Grind Skate 2 c'est vraiment dégueulasse, je trouve. Et les jeux pourtant je viens juste de les avoir il y a pas longtemps que je les ai. J'y joue jamais en plus à mes jeux, donc vu que les jeux sont. Enfin, alors le téléphone n'est pas à moi et à ma mère, parce que sa mère elle a les plats, du coup, moi je prends son truc et je m'installe là les jeux. Et je vous fais montrer, voilà, parce que moi j'ai pas de place à mon téléphone, en plus c'est un téléphone de chiasse. Voilà. Bah, donc ça va être la fin de la vidéo. Donc, moi les gars, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Salut! Avec la petite musique, hein, juste comme une petite musique de fond. Non, les gars, à plus, ciao, portez-vous bien.